Nous reprenons la discussion du projet de loi. Pardon, chers collègues. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, nous avons écouté le président de la République s'exprimer et faire un certain nombre d'annonces nouvelles qui vont avoir un impact budgétaire. Donc le Sénat pourrait-il être informé et savoir comment nous allons traduire les annonces du président de la République ? Très bien, monsieur. Chers collègues, acte est donné de votre rappel au règlement. Le ministre souhaiterait répondre. Alors, c'est exceptionnel, si je vous laisse répondre. Ce n'est pas une réponse, madame la présidente. C'est une intervention au début de séance, va-t-on dire. Non, un mot pour dire que, en écho direct à ce que vient de dire monsieur le sénateur Dallier, le président de la République s'est exprimé. Il a annoncé que les dispositifs de soutien à l'économie allaient perdurer pour les entreprises qui vont rester fermées au-delà du 31 décembre, puisqu'en réalité, il faut le rappeler, les crédits que vous avez adoptés tout à l'heure avec le PLFR 4 nous permettent de faire face à toutes les hypothèses, y compris celles exprimées ce soir, jusqu'au 31 décembre. Le dispositif qui a été annoncé, qui devrait satisfaire les sénateurs, puisqu'il consiste pour les entreprises qui resteront fermées au-delà du 15 décembre, en la prise en charge d'une fraction de chiffre d'affaires, si cette fraction de chiffre d'affaires représente un avantage supérieur à celui du fonds de solidarité plafonné à 10 000 euros, c'est un dispositif qui ressemble à ce que vous avez demandé, à ce que monsieur le rapporteur a plaidé en commission mixte paritaire. Je dois dire que la soutenabilité budgétaire d'un tel dispositif est plus importante dans une logique de déconfinement et lorsque ça concerne une partie résiduelle, mais le mot est mal choisi et je ne veux pas qu'il soit péjoratif, de l'activité plutôt que toutes les activités qui faisaient l'objet d'une fermeture en confinement. Nous devons nous poser la question des besoins budgétaires pour accompagner les bars et les restaurants, pour être très clair, éventuellement les stations de ski en fonction de ce qui sera décidé, les discothèques, les salles de sport, cela a été évoqué, sur la première partie de l'année, avec des perspectives de déconfinement progressif. Nous travaillons actuellement avec Bruno Le Maire sur deux aspects. D'abord, apporter des précisions pour que chacun des professionnels concernés sache exactement comment se traduit l'annonce et l'engagement, les engagements du président de la République, mais aussi pour calibrer budgétairement les mesures que cela représente. Bruno Le Maire a dit à l'Assemblée nationale, et j'ai eu l'occasion de le dire devant vous au début de la discussion du PLF, nous avons toujours dit, lui et moi, que les mesures d'urgence, ou en tout cas d'accompagnement de la sortie de confinement, qui relève de 2021, seraient introduites au Parlement plus tôt en deuxième lecture pour avoir, parce qu'il s'agit de mesures de dépenses essentiellement et non pas des mesures de recettes, à l'exception des dispositifs d'exonération qui peuvent représenter une moins-value de recettes. Nous avons toujours dit que nous les introduirions plus tôt en deuxième lecture, justement pour avoir de la visibilité et pouvoir les calibrer au plus juste. Je vous proposerai ce soir ou demain d'actualiser l'article liminaire sur la base des prévisions que nous avons transmises au Conseil des finances publiques. Mais évidemment, effectivement, pour ce qui concerne les dépenses, nous aurons l'occasion en deuxième lecture de soumettre au Parlement de nouveaux postes de dépenses pour accompagner cette sortie du confinement et tenir les engagements du président de la République ce soir. Merci, monsieur le ministre. Nous reprenons donc la discussion du projet de loi de finances pour 2021.